Enfin, t'as raison, il vaut mieux que je le garde pour le nouveau. T'as raison, ouais, faut pas faire les games. Calmez-vous, le sale, c'est bon. Ok, les gars, ok, j'ai capté. On va aller checker ça. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas con, on a le jeu en anglais, c'est tout. Non, mais ouais. En fait, c'est que. Enfin, les prestiges à chaque fois, c'est pas moi qui me suis occupé de les passer, donc c'est pour ça. Là, j'avais pas l'impression qu'on pouvait le faire, en fait, ça, j'ai pas compris. C'est bon. Ok, les gars, ok, c'est ok, bon, ok, c'est bon. Je back, on va voir. Donc, on retourne ici. Voilà. Baraquement. Donc. C'est à droite. Là. Non, essaye à droite. À droite? Non, initial. Non, ça c'est les zombies. Donc, ouais, voilà, là. Dessus. Ensuite. Award available, ça veut dire normalement c'est disponible. Voilà, quoi. Ok. Normalement t'as plus quoi en. Ah, voilà, Hunter Prestige 3. Boum. Voilà. Donc là on est Prestige 3. C'est bon les gars. Et maintenant. T'as donné un jeton. Voilà, ils m'ont donné un jeton. Voilà. Et là on a dit. On a dit la micro, c'est ça? Ouais, la micro Hater, ouais, regarde, elle est loin de 40. Level 48 normalement. 48. Ah, pour la Hater, ah ouais. Allez, c'est parti. Permanent unlock. C'est la vie. Ok, voilà, c'est bon. Voilà, comme ça, tu mets drone et storm, micro station pour l'instant. Donc voilà, maintenant, on va aller ouvrir des colis. Les colis, ouais. Les colis. Je sais plus où on va pour ouvrir les Black colis. Black Market. Ah, le Black Market. Ouais. Alors, waouh, on a fait des points, regarde. Ah, j'en ai masse. Donc les gars, ce que je vous propose pour le Black Market, c'est de commencer avec un rare. Et parce qu'en fait, nous, on a ouvert deux fois des rares et franchement, il n'y avait que de la merde. Donc après, on s'est dit, on prend que des colis normaux. Ouais, et c'est dans les deux colis normaux qu'on a eu le truc légendaire, tu vois. Donc, on va retenter un rare. On va voir si jamais on n'avait pas eu de chance. On va tenter. Si on a de la merde, après, on fait full commun. Si par contre, on a un bon truc, on reprendra un rare. Allez, c'est parti. Je kiffe l'animation, elle est grave stylée. Oh papa, VMP. Épique. Pas mal. Ah, épique, à mon avis, c'est le best truc que tu peux avoir. Hein. C'est au-dessus sur de légendaire, la VMP, je crois. En plus. Ah mon gars, celle-là, bah, je crois qu'on va en reprendre un. Ça y est. Voir. Allez, on est reparti. Ouais, je vais voir. Wow. SVK violet. Il a l'air pas mal. Allez, on va faire un opening full rare. Allez, c'est parti. Alors Manowar. Ouais, pas mal le petit la petite elle est stylée la petite carte de visite, je crois que je vais la mettre. Allez les gars, le dernier. Bah on va demander dans le chat, est-ce que on fait un dernier ou on fait les 3 à 10. Tapez 1 pour 3 à 10 et 2 pour le rare. Voilà, comme ça. 1 pour 3 à 10, 2 pour le rare. Dites-nous ça dans les coms. Soit on ouvre 3 à 10, soit on ouvre un rare. Et waouh, épique. Ah, le épique, il avait l'air violent. Allez, tapez 1 pour les 3 à 10 et 3 pour. Et 2 pour le rare. Il n'y a plus de com à ce moment-là. Ouais, alors, ah ouais, je crois que ça va arriver en balle, c'est pour ça. 3, 1. Bon, apparemment, le 1, les mecs ils sont plus chauds. Allez, on ouvre 3. C'est bon, c'est bon, les mecs, merci. Allez, c'est parti. Ah ouais. C'est le truc à faire, laguer le serveur, ça. Ouais. Voilà, par contre, c'était vraiment de la merde, mais c'est pas grave. Camouflage de VMP. Oh, j'ai vu un violet. La M8, c'est le silencieux. Silencieux légendaire. Silencieux légendaire. Eh papy, petit silencieux légendaire au calme. Et le dernier. Allez, le dernier. Oh, au milieu, ça. Ah, dommage. Ça clignotait violet. Ouais, ça clignotait violet. En fait, quand ça clignote, c'est que t'as une chance de tomber sur ça. Ah, c'est comme genre quand tu joues au bandiment. Voilà, ça tourne. C'est toi et ta chance. Ok, bah l'opening franchement était pas mal. Hein. On va aller voir ce qu'on a débloqué. Il faut aller dans Ré-classe. On va voir le clamo de la VMP parce qu'il avait l'air tellement violent. Alors, elle est où la VMP? On a pas une classe. Non, non, toutes les classes, voilà. Alors, on va faire la classe avec la VMP. On n'a pas encore. Unlock équipe. Hop, camo. Ah, il faut. Ah non, ouais, voilà. Black Market. C'est celui-là?
Ah non, c'est celui-là. Waouh. Ah, stylé. Ah ouais, ça c'est mes bails aussi. Tu vois, devant, c'est genre ça bouge. Ça bouge un peu. L'eau. Tiens, on va aller vite fait en partie privée le tester. Mais non. Et on va repartir. Non, ouais. Bon, on le teste direct en ligne. Bah ouais. Allez, c'est parti. Donc, attachement. Ah, en plus, on a tout dessus. Ouais, donc, il a joué en silencieux, Gis. Silencieux, ouais, grip. Et je sais pas ce qu'il mettait en troisième accessoire. Je crois que t'as pas les atouts. Ah, j'ai pas, ouais, c'est vrai. Pas donc, on va mettre tac et para. Voilà. Ça en ferraillage, ouais, pourquoi pas. Et vas-y, c'est parti. Faire la première game du Prestige 3. De toute façon, tu fais un kit à bonus là. On va voir. On part en quoi? Ah, je vais me faire une petite MME juste pour le kiff. Je vais me faire juste une petite MME pour le kiff. Parce qu'il n'y a que des bas niveaux. C'est un kiff de ouf. Légendaire, c'est mieux qu'épique? Je sais pas, parce que on a eu 3 légendaires et 3 fois dans les colis normaux. Alors ça me paraît chelou que légendaire ça soit mieux que... Vas-y, on voit une... Ouais, ça me paraît bizarre que légendaire ça soit mieux qu'épique, sachant que on en a eu 3. C'est le troisième légendaire qu'on a. Tu peux expliquer les prestiges des armes, s'il te plaît? Les prestiges des armes, il faut monter level 18 ton arme. Après tu passes le prestige. Tu peux monter jusqu'à 2 prestiges. Tu as fait comment pour réussir les 10 long shots à la Kuda on a et galéré à la 44 de fou. On a galéré de fou parce que c'est quand ils disent long shot, c'est vraiment long shot. C'est pas genre 10-15 mètres, c'est cross map. Donc c'était grave long, mais... Il y a beaucoup de gens qui nous ont critiqué parce qu'on essayait de les faire sur Nocturne et finalement sur Nocturne c'est bien passé puisqu'il y a des spots du long shot qui sont complètement évidents depuis Black Ops 1, tu vois. C'est ça. Mais par contre, ouais, c'est vraiment chaud. Faut faire les 10, hein. C'est vraiment chaud. Mais une partie où on en est, mais je crois qu'on fait 5 dans une partie presque quasiment. Dédicace à toi, Superlet, l'Argentin. Mm-hmm. Ouais, Epic c'est mieux que légendaire, je pense, honnêtement, je pense que c'est mieux. Epic c'est le plus haut. Ouais, je fais juste une petite MME pour le kiff et puis après on repart sur des choses sérieuses. Il est stylé. Tiens, c'est peut-être Max. Check. Allô? Non, c'est toi qui es devant. Ouais? Pourquoi? T'es devant toi, t'es dans la partie. Ah, j'ai pas compris là, par contre. Ah ouais. Ah ouais, toi t'as changé direct. Il a dit envoyer une minute, je sais pas pourquoi c'est le Google, non? Ah, fait mal cette arme. Hein. Ça me fait penser à la MP7 quand tu tires. C'est quoi ton cas? C'est un Siberia, c'est ça, non? Non, c'est un Turtle Beach. Un Turtle Beach. Ouais, bah c'est quand même. Bien cette map aussi, elle fait partie de mes préférées. On me rappelle de... Quoi? On me rappelle de World at War, celle-là. Quand t'es dehors, tu... Moi, elle me fait un peu penser à Stand Off de Black Ops 2. C'est un mélange entre Stand Off et... tu sais, une map qui était dans World at War, c'est un peu une first strike avec un grand hangar au milieu et plein de petites troupes comme ça dehors. Je me rappelle plus du nom, toi, je me mets le nom des mains. Ouais, il m'a mis. Oh, le coup de snipe! Bien joué! Bon appétit, mec! Ouais, j'ai du mal à la gérer là! Ouais, je l'avais mis match-ball et il a pas.
Waouh, c'est abusé là. T'as vu, t'as bien vu que tout à l'heure, il y a un mec qui s'est téléporté, ça veut tout dire, voilà. Ouais, je lui avais déjà mis masse balle, après je le termine au jugé, tu vois, normalement il est mort le mec. Après je suis au silencieux, mais bon.